Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour moi, DP Mystère, mais vous, vous allez le savoir par rapport au titre de la vidéo. Donc, je ne sais pas d'où provient ce colis, parce que j'en attends deux. Donc, même si j'ai une petite idée, on va le découvrir ensemble. Je vous montre juste comment ça arrive. Alors. Je vais fermer ça avant de me blesser. Oula, il a été ouvert. Alors, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, boîte comme ça, donc ça a été rafistolé. Alors, c'est pas le DP que j'attendais. Donc, ça, c'est un DP d'une compagnie que j'ai découvert sur la chaîne de Lorraine. Donc Lorraine, je ne sais pas si je dois te dire merci ou pas, parce que j'ai acheté à cause ou grâce à toi, je ne sais pas. Donc la compagnie, c'est The One with the Diamond Heart. Donc je vous mettrai le lien de cette toile et du site en barre de description. Donc nous allons découvrir ensemble comment ça se passe. Donc, cette toile-là, l'image est assez spéciale. Ah oui, alors avant de découvrir l'image, je vais quand même vous dire que je l'ai acheté le 9 juin et je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 23 juin. Donc, vous voyez, ça a été vite. Donc cette compagnie-là, The One with the Diamond Heart, c'est une compagnie australienne, mais les toiles arrivent directement de Chine. Donc c'est une grande toile. Elle fait 1 mètre par 60. Donc je vais aller chercher ce qui se passe là. Elle fait 1 mètre donc, par 60 cm comme je vous le disais. Les rebords sont très sympas, ils sont colorés, pareil. La colle, est-ce qu'elle dépasse beaucoup? Oui, elle dépasse un centimètre de chaque côté. Je pense que vous voyez bien le modèle. Donc, vous savez, c'est ce qu'on appelle le maquillage pour la fête des morts au Mexique, qui est là-bas une fête, on célèbre leurs morts d'une autre façon que nous en France. Donc voilà. Donc on a une petite carte qui nous dit « Thank you from Meg and Mary. » On Cathy, excusez-moi. « The one with diamond heart. » Donc voilà, les communautés donc, sur Facebook. Et donc voilà, donc c'est deux jeunes créatrices qui ont ouvert leur petite boutique par rapport à ce site-là. Pour cette toile-là, donc on peut la choisir en rond ou en carré. En carré avec des AB, des ronds avec des AB, sans AB, avec AB. Bon, bref, vous faites comme vous voulez et vous choisissez aussi la toile. Donc, on va découvrir le toolkit. Donc, le toolkit se compose d'une petite pince qui est petite. Hein. Ce que vous entendez derrière, c'est mes chiens qui jouent. Hein. D'un stylet pailleté, d'une petite pochette en organza, du washi tape, bon il doit y en avoir 5 mètres à peu près, du washi tape, de la cire, dans un petit contenant, il y en a 3, hop, des multiplaceurs, donc un de 10, un de 6, et un, deux, trois. Bon, moi, je les aime pas trop parce qu'ils sont assez... Ils sont assez épais. Et je ne sais plus jamais comment ça s'appelle. Bref, la mousse de protection pour nos petits doigts. Pour mettre sur le stylet. Donc, tout le kit, bon, je dirais assez complet. Quand même, assez complet. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix de cette toile avec le transport. Tout compris, j'en ai eu pour 59,90€.
Donc voilà, 59,90 €. Donc, comme je disais, 50 couleurs. Oui, col coulé, hein, bien sûr, comme vous avez pu le voir. En dos, très doux. Semblable à DAC. Bord dentelé. Hop, et cousu. Donc, ça évite que ça s'effiloche. Au niveau du packaging des... attends, je vais vous parler une fois que j'aurai déballé. A few moments later. Voilà, au niveau du packaging des diamants, et vous voyez, ils sont tous en sachet. On a 50 couleurs. Alors, combien ils m'ont mis de AB? Alors, comment ça fonctionne? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 AB. Donc 6 AB sur cette toile. Au niveau des symboles, bon, des lettres, des chiffres, des symboles, je vois pas. Ouais. Tout m'a l'air bien. Après, ce que j'aimerais voir, c'est la qualité des diamants. Je vais prendre une couleur claire. Je vais prendre une couleur claire que j'ai mis dans mon plateau. On va voir ça ensemble. Donc, alors, pas besoin d'en mettre 36 000. Hein. Donc moi, je trouve ça joli. Je sais pas si vous voyez comment il brille. Après, vous dire si c'est de la résine ou de l'acrylique, je ne peux pas vous dire. Alors, attendez, je vais remettre ça dans mon sachet avant de faire une catastrophe. Hop là. Hop. Allez, sachet fermé toi. Alors, qu'on regarde les endos. Ben moi, je vois pas d'endos piqués. Je vois des carrés. Des diamants carrés vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Alors moi, je suis curieuse de savoir où ils ont mis les AB. Alors, hop, je vous reparle tout de suite dès que j'ai ouvert le sachet. Alors, en AB, on a le 820, qui est un joli bleu. On a le 904. Un vert assez sympa. 701. Un vert un peu plus flashy. Le violet. Un joli bleu. Un bleu beaucoup plus clair. Donc on avait dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Donc c'est bon, on les a. Alors, donc, le 775. Donc le 775, c'est le petit moins. Donc c'est cette couleur-là. Et on en a là, dans cette partie-là, là, là. Là, là, là. Et bien, vous savez, ce qui me rassure, c'est qu'ils n'en ont pas mis dans le visage. Et ça, c'est cool. On a un petit peu là. D'accord. Alors, le bleu, ce... Parce que là, on a un gros sac. Alors, à voir. Ce bleu-là. Donc, 38-46. C'est un Y à l'envers. Et bien, donc, on en a là. On en a là, 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 là. En fait, toutes les parties que vous voyez un petit peu bleues comme ça, bleu là, 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 là-bas, là-bas. Ça fait vraiment tout le fond en cette jolie couleur-là. Maintenant, le 820, ce bleu nuit, qui tient presque sur le noir, mais c'est un bleu nuit. Donc, le 820, c'est...
C'est le F comme Facebook. Donc, le F, ah ben, alors, ça fait le contour, tout ce qui est contour, là, de fleurs, tout ce qui est contour de fleurs, par là, 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 là-haut, il y en a, là-haut, toute la fleur, là-haut, c'est du 820, AB. Donc, voilà, le violet, donc, 208, 208, 208, c'est le chiffre, quoi, c'est le chiffre, c'est le symbole pi. Donc, le symbole pi, où est-ce qu'ils auraient bien pu nous le mettre? Donc, il y en a là-bas, il y en a là-haut, il y en a là. C'est vraiment bien, bien, bien dispatché, je trouve, les AB sur cette toile. C'est pas mis à la va-vite, n'importe comment. Par contre, je ne ferai pas de rajout, je pense que c'est assez, je n'ai pas la saturer, c'est pas une boule à facettes que je veux, parce que celle-là sera accrochée chez moi. Donc, voilà, 904, donc c'est un T minuscule, donc un T minuscule, j'ai fait une contraction entre majuscule et minuscule, donc minuscule, où est-ce qu'ils nous ont mis? Et ben, il y en a un petit peu dans ses yeux, dans son maquillage. C'est pour ça qu'on en a très peu. 701. Alors, le 701, c'est une flèche qui est aussi dans ses yeux. Donc, ça va faire un joli maquillage. J'ai trop hâte de la commencer. J'ai trop hâte de la commencer. Je sais pas, alors je viens de voir parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de noir. Enfin, pas mal de noir, on s'entend. Regardez-moi la taille de ce sac de 310. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette toile? Et bien, moi, que je l'aime beaucoup. Voilà, elle s'appelle Day of the Dead. Traduction littéraire, ça fait le jour de la mort. C'est pas très joyeux hein, comme, comme titre, je vous l'accorde. Donc moi, je vais marquer, je vais l'appeler la femme mexicaine. Parce que c'est, ça vient du Mexique, hein, cette, cette tradition d'honorer ses, ses morts et de ne pas les pleurer et justement de les honorer. Donc je vais l'appeler la femme mexicaine plutôt que le jour de la mort, hein. Donc voilà. Après, je vous ai, je vous ai pas montré. Donc, ils ont un site, le site internet. Je vais vous le mettre en barre d'information ainsi que la toile, comme je vous ai dit au début. Ils ont un, ils ont un mail et ils sont sur Facebook. Elles sont sur Facebook parce que c'est deux copines d'enfance qui ont ouvert cette boutique en Australie, cette compagnie plutôt en Australie. Donc voilà. Je reviendrai vers vous pour la revue de cette superbe toile qui me plaît énormément car elle a énormément de couleurs. J'adore. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous remercie. Au revoir.